Nous sommes très heureux de vous présenter ces 6 capsules d'enseignement et ces 2 programmes d'exercice. Ce matériel élaboré par des professionnels de la santé en réadaptation pulmonaire de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a pour but de vous aider à mieux maîtriser votre maladie pulmonaire obstructive chronique, communément appelée MPOC. On ne peut pas guérir d'une maladie chronique, par contre, on peut agir pour mieux en contrôler les symptômes. Vous avez un rôle très important à jouer dans ce processus. Votre attitude et vos actions vont grandement influer sur votre qualité de vie. L'activité physique est primordiale dans le traitement de votre maladie pulmonaire et va contribuer à diminuer le risque d'autres maladies, telles que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. C'est pourquoi ces capsules sont axées sur l'adoption de saines habitudes de vie et sur le mouvement. Bref, bougez plus et respirez mieux. Et comme votre condition médicale vous impose des contraintes particulières, nous vous proposons des méthodes adaptées afin de le faire de façon sécuritaire. Voici les thèmes abordés. Respiration 101, l'adoption de saines habitudes de vie, les recommandations pour débuter un programme d'exercice, la technique d'expiration à lèvres pincées, l'échauffement et le cardiovasculaire et l'intégration de l'activité physique dans le quotidien. Pour terminer, nous vous proposons 2 programmes d'exercice adaptés à votre condition, un programme de base et un autre de niveau intermédiaire. Nous vous suggérons de visionner l'ensemble des capsules, puis de revenir aux besoins sur celles qui vous intéressent davantage. Nous vous invitons aussi à visiter le site Internet « Mieux vivre avec une MPOC ». C'est un site qui regroupe des informations pertinentes à l'autogestion de votre maladie. Des références additionnelles sont disponibles à la fin de ce document. Par prudence, nous vous référons à votre professionnel de la santé pour une évaluation de votre condition avant de commencer un programme d'exercice, ainsi que pour toute question concernant la prise en charge de votre maladie.